on time. Then the signal. Reduce speed. Apply brake, not too much. Platform in sight. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Tracing World pour une nouvelle vidéo sur ce jeu et je suis très fier de vous retrouver enfin sur ce jeu depuis un petit moment qu'on n'avait plus fait de vidéo et on se retrouve donc avec un tutoriel tout simplement, deux tutoriels même, le tutoriel avec le nouveau pack DLC qui est sorti, c'est la West Somerset Railway. C'est une campagne verdoyante de 12 collines et des vues sur la mer. Voici les paysages qui berceront vos trajets dans Tracing World West Somerset Railway. Vous y découvrirez la ligne touristique à voie normale la plus longue de Grande-Bretagne. Entrez dans un tourbillon de véhicules diesel et faites de votre mieux pour contenter les touristes en faisant vibrer vos puissantes locomotives diesel à travers les belles prairies de Somerset. Donc ça c'est le DLC qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps et depuis un petit moment, et déjà ça fait à peu près 2 mois je crois, même un peu plus, il y a le NEC New York qui est sorti, le DLC NEC New York, c'est le Northeast Corridor New York. Vous vous ferez toucher du doigt les sensations et les défis que posent les conduites de trains de passagers de fret sur la route les plus fréquentées des États-Unis. Montez à bord de la fameuse locomotive électrique Amtrak ACS 64 et de la versatile locomotive diesel CSX. Locomotives CSX, on les connaît dans dans la première partie du jeu qui a été quand le jeu est sorti. C'était les trains là qu'on avait joué. Et donc du coup on se retrouve aussi avec une locomotive diesel, mais une nouvelle, c'est la électromotive GP38-2 pour transporter donc les passagers et aussi du fret vers New York City et ses alentours. Donc voilà, donc on va procéder par ordre tout simplement. Donc on va commencer par l'ancien DLC et on va donc découvrir le tutoriel de cet ancien DLC maintenant. Et donc du coup c'est l'introduction à l'ACS64. Ça dure 5 minutes. C'est juste pour vous montrer comment conduire ce train-là. Et puis après, on découvrira comment conduire le CSX, le nouveau CSX. Et après, on découvrira comment conduire les trains britanniques, les vieux trains britanniques dans l'autre DLC. Donc du coup, c'est bien sûr une vidéo sur les tutoriels de ces deux nouveaux DLC. Et par la suite, je créerai donc de nouvelles vidéos pour vraiment un trajet complet avec ce jeu. Donc l'introduction à la CS64 d'Amtrak. Amtrak c'est comme la SNCF. Voici une locomotive électrique ACS64, aussi connue sous le nom d'Amtrak City Sprinter. Elle est uniquement utilisée dans le nord-est des États-Unis. Montez à bord pour la démarrer. Entrez dans la cabine en passant par la porte qui est devant vous. Voilà, donc du coup, on va donc découvrir comment fonctionne cette locomotive. Pour démarrer la locomotive, appuyez tout d'abord sur le bouton de la batterie pendant au moins 5 secondes. Alors, le bouton de la batterie se trouve ici. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, passez par la porte côté droit et suivez le couloir pour aller au panneau du sélecteur de pantographe. D'accord, donc il faut qu'on rentre par là, ça c'est tout nouveau, hein, parce que pour l'instant on n'est jamais rentré dans une locomotive à l'intérieur. Hein. C'est là où il y a les moteurs et tout ça. Donc du coup, ah oui, on a carrément les toilettes ici, d'accord. Là il y a tous les trucs moteurs électriques, il est marqué attention, danger électrique. Hein. Ok, et là il faut donc allumer le pantographe, mettre le pantographe en arrière. D'accord. Retournez dans la cabine et asseyez-vous sur le siège du conducteur lorsque vous serez prêt. Ok. Alors on referme la porte et on va s'asseoir. C'est parti.
Donc bien sûr avec le clic droit de la souris. Appuyez sur le bouton pour lever le pantographe afin de connecter ce dernier au caténaire. Avec le clic droit de la souris, vous pouvez plus bouger, mais vous avez une précision pour sélectionner un objet. Vous pouvez le faire aussi avec l'autre, sauf que ça bouge plus et vous avez moins de précision. Donc on lève le pantographe. Pour finir, fermez le disjoncteur principal. Donc il faut fermer le disjoncteur principal, c'est celui-là. Afin de montrer que cette locomotive est opérationnelle, réglez les phares avant sur plein phare et allumez les feux de fossé. Donc plein phare toujours. Voilà. Et phare de fossé, c'est pour bien nous voir de côté. En immersion activée. Utilisez l'inverseur pour choisir un sens de marche. Réglez le manche de l'inverseur sur la position marche avant. Donc l'inverseur il se trouve ici et il faut la mettre sur la marche avant forcément parce que vous avez marche arrière, vous avez neutre, marche avant et sortie. Donc en marche avant, c'est parti. Pour pouvoir avancer, il faut desserrer le frein automatique. Le manche rouge à votre droite doit être tiré complètement vers vous. Donc ça c'est le frein. La plupart du temps les freins sont de couleur rouge hein, pour bien être vu. Si jamais voilà, il y a un problème pour qu'on puisse réagir assez rapidement. Donc voilà. Faites retentir l'avertisseur sonore deux fois de suite pour prévenir les autres usagers que cette locomotive va démarrer. Voilà, bah c'est toujours comme ça, il faut toujours prévenir les autres usagers que la locomotive part, même si là elle bouge déjà un peu parce qu'on a desserré le frein. Du coup, on se retrouve avec un avertisseur sonore et deux coups. Vous avez fait du bon travail jusqu'à présent. Maintenant, appliquez de la traction en réglant le manipulateur combiné sur au moins 40%. Donc le manipulateur combiné, c'est ça, c'est pour avancer. Donc sur 40%. Et c'est parti. Donc il faut aller jusqu'à 60 km/h. Une fois qu'on a atteint les 65 km/h, on verra ce qu'il faudra faire. Donc ils nous disent bien sûr avec les touches du clavier, pas du pavé numérique, hein, mais du clavier central. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8, c'est pour modifier les vues. Vous voyez le train qu'on a. Voilà, là, vous pouvez voir comme ça. 4, 5, ça rien. 6, ça donne rien. 7, ça donne rien. Et 8, ça donne une vue comme ça. Voilà. Une vue fixe. Mais vu qu'on est dans Train Simulator. Vu qu'on est dans Train Sim World et pas dans Train Simulator, parce que Train Simulator, vous pouvez faire comme vous voulez. Train Sim World, c'est plus très gestionnaire, donc vous pouvez toucher à beaucoup de boutons, reprendre un Train Simulator, et c'est plus réaliste. Les trains sont mieux faits, et c'est plus réaliste. Du coup, c'est pour ça que Train Sim World, pour moi, c'est pas pour conduire comme ça, mais bien pour conduire comme ça. Afin de maintenir une vitesse constante, positionnez le manipulateur combiné sur neutre. Ok, donc il faut garder la vitesse là, donc pour garder la vitesse là, neutre, c'est toujours ce qu'il faut faire. Avec n'importe quel train. Pour arrêter la locomotive en douceur, placez le frein automatique sur la position serrage minimal. Donc serrage minimal. C'est juste le serrage avant, le desserrage. C'est tout ce qu'il faut faire. Non. Pardon. Donc serrage minimal, vous voyez, ça sert déjà pas mal, ça s'arrête déjà pas mal, mais c'est pour vraiment pas brusquer. Sinon après, si jamais vous êtes vraiment, faut vraiment s'arrêter impérativement, très rapidement et tout, vous pouvez toujours serrer beaucoup plus. Et voilà. Bon travail. Souvenez-vous de cet entraînement et si vous l'appliquez en situation réelle, tout ira bien. Du coup, voilà, la mission est finie. Le tutoriel, hein, on va dire. Hein, le tutoriel est fini. Fallait juste, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. La conduite avec ce ACS64. Et donc du coup, on va passer au tutoriel suivant. Tutoriel suivant. Menu principal, il y a un petit problème parce que je
voulais pas rejouer le tutoriel. Voilà. Voilà. Donc l'introduction à la GP38-2YN3. Donc je pense que c'est plus ou moins comme les autres locomotives du jeu de base. Mais on va quand même voir. Voici une locomotive GP38-2. Elle est utilisée pour effectuer des opérations de fret léger et pour des manœuvres. Allez vous asseoir dans le siège du conducteur et apprenez les bases pour savoir la démarrer et l'arrêter. Ok, donc par... Commencez par monter à bord de la locomotive et entrez dans la cabine par la porte indiquée. Oui, bon, ça on le sait. Donc par rapport aux autres CSX... bon, pour moi, elle change pas grand chose parce que moi je suis pas trop fan des trains américains, donc je vois pas vraiment les détails qui changent. Je suis pas trop fan de ça, mais par rapport aux autres, d'après ce que j'ai compris, celle-là elle est uniquement pour transporter des petites cargaisons de fret et puis pour déplacer des wagons. Du coup, c'est pas fait pour transporter beaucoup de wagons, c'est pas fait pour transporter beaucoup de wagons comme on voit toujours en Amérique avec les trains qui transportent 15 000 wagons. Jetez un coup d'œil autour de vous et lorsque vous serez prêt, prenez place dans le siège du conducteur. Voilà, donc bon, pour moi il n'y a rien qui change par rapport aux autres locomotives à l'intérieur. Voilà. Allons-y! Afin de prévenir les autres conducteurs que cette locomotive est opérationnelle, réglez les phares avant sur plein phare. Positionnez le manche de l'inverseur sur la position marche avant. Hop là, marche avant. Faites retentir l'avertisseur sonore deux fois pour prévenir les autres conducteurs que cette locomotive va démarrer. Oui, c'est comme toujours, faut toujours démarrer. Avant de démarrer, deux coups de klaxon. Avant d'accélérer, il faut desserrer les freins. Placez le manche du frein automatique sur la position desserrage. Maintenant, donnez un coup d'accélération en plaçant le manche du manipulateur de traction sur le cran 1. Cran 1, c'est parti. La locomotive, elle accélère. Bon, il y a quand même pas mal de wagons. Ils disent que c'est pour transporter pas beaucoup de wagons, mais... Bon, je pense que nous allons assez vite pour l'instant. Pour maintenir votre vitesse actuelle, positionnez le manche du manipulateur de traction de nouveau sur neutre. Sur neutre, voilà. Ok. J'étais plus rapide que ce qu'il me disait. Et maintenant, il me dit de... En réduction initiale. D'accord. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est arrêter le train de façon progressive. Placez le manche du frein automatique sur réduction initiale pour appliquer un peu de force de freinage. C'est ce que je viens de faire. Donc maintenant il faut laisser freiner la locomotive tranquillement. Sauf que, comme vous voyez, plus on a de chargement, plus ça met de temps à freiner. Et par rapport au train aussi, hein, parce qu'il y a des locomotives qui vont freiner plus vite que d'autres. Du coup là on se retrouve avec une locomotive qui freine quand même moins vite que l'Amtrak. Hein. Et voilà, je crois que ça sera déjà fini ce tutoriel, c'était juste pour vous montrer comment démarrer ce train. Bon boulot! Je pense que vous êtes prêt à prendre les commandes d'une GP38-2 seul. Pourquoi ne pas aller jeter un œil à la liste des services pour voir ce qui s'offre à vous? Mais vous inquiétez pas, on va jeter un œil, mais pas dans cette vidéo-là, dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, le GP38-2, c'est pas beaucoup plus compliqué que les autres CSX du jeu de base. En tout cas, moi je trouve.
Ensuite, on se retrouve donc dans l'autre DLC, le West Somerset Railway, qu'on va découvrir dans quelques instants. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, c'est parti. Place au tutoriel numéro 1, l'introduction à la classe 47. Parce qu'il y a, il y a deux trains dans ce jeu. Il y a celui-là, la classe 47. Et la classe 09, c'est la petite. Et on va les découvrir tous les deux ensemble. On va découvrir comment ils fonctionnent tout simplement. Introduction à la classe 47. C'est un DLC un peu vintage, parce que c'est des trains qui n'existent plus vraiment. Enfin, je pense qu'ils n'existent plus. Ok, voici une locomotive diesel électrique classe 47 en livrée verte British Rail. Ce tutoriel vous apprendra à la démarrer et à l'arrêter. Montez à bord pour commencer. Entrez dans la cabine en passant par la porte indiquée. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, je vous lis ce qui a marqué parce que le problème c'est que voilà, c'est en anglais. Ils n'ont pas un petit bug, sans doute ils l'ont pas encore traduit en français. Asseyez-vous sur le siège du conducteur lorsque vous serez prêt. Pour démarrer la locomotive, configurez l'interrupteur d'isolation de la batterie sur fermé. Donc, oui, d'accord, ça se passe derrière. Pour activer le pupitre, réglez la clé principale sur activer. Réglez l'inverseur sur la position moteur uniquement. La locomotive est maintenant prête au démarrage. Appuyez sur le bouton de démarrage moteur qui est sur le pupitre. Super bruit. Pour relâcher la pression d'air qui bloque les roues, réglez le frein du conducteur sur en marche. Et parce que c'est une pression d'air pour maintenir les roues à l'arrêt. Donc, il faut le mettre en marche. Ok, en marche. Alors, le système de freinage, il faut qu'il se charge. Donc, on va voir là la pression paramétrique qui descend, qui augmente. Ouais. Qui monte là, ça monte ça. Ah oui, c'est en train de monter et là ça va descendre. Ah, d'accord, voilà, ok, ça descend. Ça descend, descend jusqu'à 0. Ok, très bien. La locomotive est démarrée. Réglez le manche de l'inverseur sur la position marche avant pour avancer. Ok, donc ça c'est... Non. Marche avant, c'est pas celui-là aussi? Inverseur? Ah si, marche avant. Marche avant, oui, ok. Afin d'avertir les autres usagers que cette locomotive est opérationnelle, allumez les phares avant. Donc ça c'est toujours pareil, faut toujours allumer. Réglez le frein à main sur relâcher, et puis à mon avis il va falloir aussi klaxonner. Enfin, déplacer le maintien de traction jusqu'à atteindre au moins 20%. Alors je sais pas, j'ai pas vu les pourcentages là, c'est bizarre. Et on n'a pas besoin de klaxonner, ça aussi c'est bizarre. D'habitude il faut toujours klaxonner avant de démarrer. Bien joué, nous avançons afin de maintenir une vitesse précise. Réglez le maintien de traction sur désactivé. Ok. Donc en quelque sorte, c'est position neutre. Désactivé, position neutre. Voilà, c'est ça.
Pour arrêter la locomotive en douceur, placez le frein du conducteur sur la position serrage initial. Bon, serrage initial, c'est d'habitude juste avant en marche. Voilà. Donc, ou serrage minimum, minimal, c'est toujours avant l'autre. Ok. Là, on a un feu qui clignote. C'est bien beau. Ce qui manque, en fait, c'est que... Attendez, on va parler ça après. Souvenez-vous de cet entraînement et si vous l'appliquez la situation réelle, en situation réelle, tout ira bien. Ok, donc cette mission de l'introduction de la classe 47 est finie. Donc je disais, c'est dommage parce que dans ces tutoriels, on apprend comment conduire la locomotive, mais pas comment conduire la locomotive, oui, mais pas comment arriver à un quai et décharger les passagers parce que les boutons, on les connaît pas tous, déjà premièrement. Et deuxièmement, il nous manque aussi le tutoriel sur les feux. Parce que les feux tricolores, quand même, les feux, ben je dis tricolores, en train c'est pas tricolore, hein, mais les feux de signalisation et la signalétique hein, des trains n'est pas la même sur tous les trajets. N'est pas la même en Grande-Bretagne, en Angleterre, non, en Grande-Bretagne, en Angleterre c'est pareil, aux États-Unis, en Europe, c'est pas pareil, donc du coup c'est bien beau, mais le feu là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Du coup, il faut que vous appreniez ça dans. Normalement, il y a un bouquin, enfin, dans les dossiers de votre jeu, il y a les différents manuels pour apprendre ceci. Et donc du coup on va passer au tutoriel suivant avec l'autre train qui est beaucoup plus petit, qui est plus un train de marchandises, et c'est la classe 09. Voici une locomotive de manœuvre diesel électrique classe 09 utilisée principalement pour des opérations de fret. Mais elle est aussi utile pour effectuer des procédures avec des trains de passagers. Allons étudier les procédures de démarrage et d'arrêt. Montez à bord pour commencer. Entrez dans la cabine en passant par la porte indiquée. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, c'est juste pour faire des manœuvres avec des trains passagers, c'est-à-dire pour mettre des wagons, des voitures voyageurs, parce qu'on appelle ça des voitures voyageurs. Pas des wagons. Les wagons, c'est pour les frettes. Donc du coup, c'est pour transporter des frettes, mais également pour transporter, pour déplacer des voitures sur un autre quai. Voilà, tout simplement. Ok, magnifique. Tout d'abord, réglez les feux de gabarit, actionnez la clé principale qui se trouve en haut du tableau de bord. Ok, la clé principale, elle se trouve ici. D'accord. Feu de gabarit, c'est parti. Maintenant que l'interrupteur d'alimentation principale est allumé, faites le tour de la locomotive pour allumer les 4 feux de gabarit. D'accord, donc du coup, c'est manuel. C'est vraiment la vieille locomotive, il faut faire ça manuellement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc électronique. Et donc du coup, il faut qu'on allume nous-mêmes les lumières. Ben, du coup, allumer les lumières... Allumer, d'accord. Au rouge là et blanc de l'autre côté, d'accord. Pareil pour là. Ah oui, effectivement, c'est rouge du côté droit. Enfin, du côté gauche plutôt. Ok, donc là il faut qu'on s'assoie. Ils viennent de nous dire, ça c'est notre petit siège, il est vraiment petit. Pour démarrer la locomotive, maintenez l'interrupteur principal sur la position de démarrage pendant au moins 5 secondes. Ok, c'est les vieilles locomotives, donc il faut vraiment rester longtemps dessus. 5 secondes. 1. Non, démarrage on le dit. 1, 2, 3, 4, 5. La locomotive est démarrée, activez l'interrupteur principal. Donc ça, ça reste toujours l'interrupteur principal, sauf que maintenant il faut l'activer. D'accord, activer c'est plus bas, ok. Le levier de l'inverseur détermine le sens de la marche, réglez-le sur marche avant. Bon, oui, ça on sait, c'est toujours pareil, marche avant, marche arrière, ou neutre. Alors, il faut attendre que les systèmes de freinage se chargent.
Alors encore une fois, on va voir une aiguille bouger, c'est celle-là qui bouge. Il faut qu'il charge, il se charge. Il faut qu'il se charge de la pression d'air, comme ça, pour freiner après, ça marche. Sinon, s'il n'a pas de pression d'air, impossible de freiner. Quand c'est des véhicules électriques, c'est différent. Il y a la pression d'air, mais il y a aussi le freinage avec l'électricité. Elle est quand même classe, cette locomotive. Ça fait penser aux vieilles locomotives, quoi. Vraiment très vieilles. Sauf que là, il n'y a pas de charbon à mettre dedans. Ok, ça c'est le frein à main. Bon. Enfin, à vrai dire, les freins à main, ils étaient toujours derrière, parce que déjà dans l'autre locomotive, le frein, il était à l'arrière. C'est un peu bizarre. Pour démarrer, régler le manipulateur de traction sur la position 1 pendant au moins 5 secondes, puis régler-le sur 2. Ok, donc là, il faut le mettre sur 1, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon ? 2. Ah oui, bon, il a pas beaucoup de... Il a 1, quelque chose. Donc, du coup, c'est vraiment un train qui roule très lentement, comme vous pouvez le voir sur le compteur en bas à droite. Bon, travail, nous avançons. Afin de maintenir une vitesse précise, régler le manipulateur de traction de nouveau sur désactivé. Donc, désactivé, paf. Il veut qu'on reste à cette vitesse-là. Pas de problème. Pour arrêter la locomotive en douceur, serrer le frein de conducteur sur serrage, 30%. En douceur, il faut 30%. D'accord. Ok. Oh, ça freine assez rapidement quand même, hein. Bon, là, c'est parce qu'on n'a pas de wagon. Donc, voilà. Ok. Souvenez-vous de cet entraînement, et si vous l'appliquez en situation réelle, tout ira bien. Ok. Bon, ben, c'est fini pour ces tutoriels. J'espère que la vidéo vous a plu sur les tutoriels du pack des deux DLC, hein, tout simplement. Et j'espère que cette vidéo donc vous a plu. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera donc sur n'importe quel DLC, on verra, sur la conduite d'un train. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas, en dessous de l'écran. Voilà, enfin en bas, tout simplement. Allez, ciao tout le monde.